Donc j'ai fait une photo avec le frère qui a le dos tatoué. Et ensuite j'ai vu cette femme avec son tatouage et cet enfant. Et tout de suite ça m'a interpellé. Après, encore une fois, c'est comment on fait des choses dans un premier temps sans on voit, sans comprendre forcément ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est après coup que les choses se décantent. Et évidemment, le nom de Raphaël n'est pas anodin puisque c'est le nom d'un ange qui est le guérisseur de Dieu. Et cet enfant apparaît, dont l'enfant s'appelle Raphaël. Elle porte le nom de son enfant tatoué sur son corps. Et l'enfant apparaît un peu comme celui qui vient apporter un peu de baume à sa mère. Voilà, c'est une image que j'ai voulu retenir pour ce livre. Et c'est l'inattendu du réel. C'est-à-dire que pour moi, la photographie est toujours liée à l'inattendu. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de jamais maîtriser ce réel-là pour faire des images. Ça ne m'intéresse pas de faire des choses fabriquées, des choses mises en scène, bidouillées, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le réel, c'est le monde. Et c'est en me promenant, en traînant dans les rues, dans les villes, un peu partout, là, entre Athènes, Marseille, Jérusalem, Jaffa, peu importe, que je trouve ces gens que je photographie et qui m'aident à mieux comprendre cette humanité aussi.